Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie vers le rocher de notre salut? Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Est-ce que tu peux l'acclamer, 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 l'acclamer? Sois élevé, que ton nom soit adoré. Amen. Gloire à Dieu, je vous prie de prendre place en sa présence. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, celui de gauche et de droite? Tu es bienvenu dans la présence de ton Père. Ok. Salue celui qui est derrière toi, devant toi, parce que l'autre ne veut pas te saluer. Alors dis-lui un petit mot gentil quand même. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce matin, pour la présence de son esprit parmi nous, pour la présence de tout un chacun. Nous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue. Alors nous voulons, sans plus tarder, écouter la parole de Dieu. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes honorés d'avoir avec nous un couple d'amis, l'apôtre qui fait un travail excellent, merveilleux au niveau de la Bretagne. Il est basé à Lorient avec son épouse et une grande équipe et ils sont en train de prendre possession de toute la Bretagne, si ce n'est même plus au-delà des frontières, et c'est même toute la France. Il fait vraiment un travail merveilleux que nous apprécions beaucoup, que nous encourageons. Et un footballeur professionnel qui a joué, qui joue encore, okay. dans plusieurs équipes ici en France, il est très connu, très célèbre, et Dieu fait vraiment des choses avec lui. Alors il n'est pas venu seul, alors je laisserai la place de l'occasion de présenter la charmante épouse ainsi que l'équipe. En tout cas, nous sommes très ravis de vous avoir. Il s'agit de l'apôtre Oscar Ewolo. Si nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie, je veux l'inviter. Acclamer pour Jésus. Est-ce que nous pouvons faire du bruit pour Jésus? Alors comme l'a dit l'apôtre Douglas et sa charmante épouse, merci vraiment pour la confiance. C'est un homme que j'aime énormément et je sais que prophétiquement Dieu nous connecte pour faire des choses ensemble. Je le sens depuis très longtemps, je n'ai jamais eu l'opportunité de le dire. Et aujourd'hui tu m'as invité, alors je le dis aussi publiquement. Sois vraiment béni, j'aime ton cœur, j'aime ton épouse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour eux? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Amen. Comme il a été dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse, le pasteur Audrey. Est-ce que tu peux venir? Tu vas nous dire un mot. Hein? Qui sert le Seigneur avec moi, vous avez vu. Hein? Elle est blanche, dis à quelqu'un, elle est blanche. Au début de nos fiançailles, lorsque Dieu a commencé à nous mettre ensemble, j'ai eu un problème avec ça. Parce que je voyais les carottes râpées, tout ça. Et je me suis dit, mais ah, donc le pondou, tout ça, ça va être... Alléluia. Donc c'est les premières choses qui sont venues dans mon esprit, mais ensuite le Seigneur m'a connecté à une vision qu'il avait déposée dans mon cœur, qui était vraiment de bâtir une église multiculturelle. J'avais ce fardeau-là et j'avais déjà commencé, j'avais pas mal déjà d'Européens. Donc lorsqu'on s'est connecté, parce que bon, c'est elle qui est... C'est, hein, bon... Alléluia. J'avais un problème. Alors je me disais, mais ah Seigneur, c'est quoi ça encore? Avec toute la culture française, fromage, toutes ces choses-là sont venues dans ma tête et c'était un peu compliqué. Et ensuite le Seigneur m'a dit non.
Tu as une vision qui est à l'intérieur de toi et à cause de cette vision, tu ne peux pas adhérer à la vision dans laquelle je veux te amener sans pour autant en fait t'associer à ton épouse. Alléluia. Amen. Elle sert le Seigneur avec moi. Je vais lui laisser l'opportunité de parler. Alléluia. C'est une joie pour nous de pouvoir être là, de pouvoir partager ces temps, partager ce culte ensemble, de pouvoir célébrer le Seigneur. Alors c'est vrai que dans ma culture, on ne m'a pas appris à préparer le pain doux, mais j'ai appris. Vous savez, en fait, j'ai eu un bon professeur. Parce qu'elle savait bien préparer, du coup je sais bien préparer le pain doux, en tout cas. Mais pour dire en fait que dans la vie, l'essentiel c'est d'avoir un cœur enseignable. Quand en fait on sait se laisser enseigner, on peut découvrir des choses incroyables. Je ne savais pas que je pouvais un jour préparer le pain doux, mais j'ai appris. Donc en fait, quand on se laisse enseigner, quand on laisse nos cœurs en fait entre les mains du Seigneur, Dieu est capable de nous donner, de découvrir des choses à l'intérieur de nous. Amen. Alors que nous puissions avoir ce cœur, de se laisser enseigner. Amen. Gloire à Dieu. Alors je vais rapidement présenter le frère Darius qui est avec moi, la sœur Christelle aussi et la sœur Céline sont mon équipe un peu missionnaire que je prends lorsque je me déplace. Alors ils sacrifient beaucoup, amen, de leur vie pour m'accompagner, que ce soit on part au Canada, ils décident de prendre sur leur finances hein, pour venir. Et est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Ils font des sacrifices pour, dans le cadre vraiment du soutien, et je veux vraiment les honorer, les bénir. Merci pour ça. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois 4 verset 8. Rois 4, verset 8. Frère Darius, tu vas lire, si c'est possible. De Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est saint et un saint, homme de Dieu. » Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Shunammite d'Ésaïe. » L'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Ésaïe répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Ésaïe l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « ma tête, le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut.
Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et on part. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Guézaï, son serviteur, « Voici cette Shunammite. Maintenant cours donc à sa rencontre. » Et dit-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Guézaï s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Guézaï, « Sans terrain, prends mon bâton dans ta main et pars si tu rencontres quelqu'un. Ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Amen. Nous allons chanter ce chant et on va prier. Nous allons lire la parole de Dieu. Mets-toi dans une position, dispose ton cœur maintenant.
ton amour. Merci Éternel pour ta fidélité. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable, c'est toi. Celui qui connaissait ses moments, qui avait arrêté ses moments d'avance. Nous voulons ce matin vivre la provision du ciel. Nous voulons nous connecter, Éternel, notre Dieu, à ce que tu as planifié. Nous voulons, Éternel, notre Dieu, se connecter à ce que tu as préparé pour cette église. Nous prions, Seigneur, que la manne tombe et que ton peuple soit nourri de la nourriture d'en haut. Nous sommes conscients, ô Dieu de gloire, que c'est ta parole qui amène la vie et dans ta parole contient ce dont nous avons besoin. Ta parole déclare en elle était la vie, elle était la lumière pour tous les hommes. Voilà pourquoi ce matin je prie qu'elle soit libérée, qu'elle éclaire, Père, qu'elle puisse, ô Dieu, communiquer à ton peuple ce dont il a besoin. Toi qui connais toutes choses, viens encore communiquer les informations qui sont cachées dans les champs. Accorde à ton prophète d'être connecté à ton esprit afin de libérer pleinement la nourriture du moment et que personne ne sorte comme il est rentré, mais que nous puissions tous être transformés, changés, challengés, impulsés, libérés par ta parole. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu le fais. Voilà pourquoi nous disons amen une fois, amen deux fois, amen trois fois, amen quatre fois, amen cinq fois, amen six fois, amen sept fois. Nous poussons des cris de joie. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi. Dieu veut nous faire du bien ce matin, qui le croit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes prophétiques dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi? Ceux qui ont déjà vécu la réunion avant. Parce que la réunion est simplement une réunion différée. Alléluia. Dieu a déjà fait des choses d'avance. Est-ce que nous le croyons? Amen. Le pasteur Douglas a dit quelque chose, l'apôtre Douglas, tout à l'heure, que j'étais un joueur de foot. Et vous savez qu'en tant que joueur de foot, j'ai eu l'habitude de jouer dans des grands stades. Hier, je disais à la réunion que j'ai rave que j'ai joué dans l'un des plus grands stades de France, qui est le Stade de France. En 2001, j'ai fait la finale de Coupe de France dans ce stade et c'était rempli. Je jouais à Amiens à l'époque. Je me souviens, tous les supporters étaient venus et on pouvait voir les différents t-shirts des supporters dans les tribunes. C'est impressionnant quand vous jouez devant 80 000 personnes au Stade de France. J'ai joué aussi au Stade de Lagos contre, pour les anciens, certainement connaîtront des gens comme Okocha, alléluia, des joueurs comme ça, très connus. Et quand vous jouez dans un stade comme ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et quand, par contre, on fait partie d'un club, souvent il y a ce qu'on appelle les supporters. Dis à ton voisin, les supporters. Et vous savez, souvent les supporters sont là pour nous encourager. J'ai joué à Brest en Ligue 1 et là-bas, c'est l'un des plus grands, les meilleurs supporters de France. Ils sont là partout. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, quelles que soient les saisons, ils sont là. Des fois, ils sont juste deux. Des fois, ils sont 10. Des fois, ils sont 100. Des fois, ils sont 200. Des fois, ils sont 300. Parce qu'il y a certains déplacements qu'ils ne peuvent pas faire. Mais bien souvent, on retrouve toujours des supporters. Et vous savez, lorsque vous êtes en train de faire un match et vous savez qu'il y a des gens derrière vous en train de vous encourager, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même des fois, vous pouvez perdre 2-0. Mais s'il y a des supporters qui sont là, vous pouvez serrer les dents et produire des efforts pour remporter la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est très important. Et souvent, j'ai rencontré là, au Stade de France, non, plutôt au Stade Vélodrome. On était en train de perdre 2-0. Il restait peut-être 15 minutes. Stade Vélodrome, ça criait. 15 minutes. Les gens, certains étaient déjà sortis du stade et d'autres avaient déjà dit que nous, c'était fini en fait.
On avait déjà perdu le match, mais il restait 15 minutes. Dis à toi, il restait 15 minutes. Alléluia, en 15 minutes, les choses peuvent changer. Amen, c'est pareil avec Dieu. En 15 minutes, en une seconde, les choses peuvent changer. Et en 15 minutes, on a réussi à renverser la tendance et gagner 3-2 au Stade de France. Plutôt au Stade Vélodrome. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on perdait 2-0, les supporters continuent à croire en nous. Ils continuaient à crier, continuaient à nous supporter, continuaient à chanter des chants. Allez, c'était à Lorient à l'époque, ils continuaient à dire, vous allez réussir, vous allez remporter cette victoire. Et nous, lorsqu'on entendait ça, on était contents, même dans la difficulté. Quand quelqu'un vous encourage, vous prenez courage. Même dans la difficulté, là où vous perdez peut-être 6-0, vous dites que vous n'avez pas les compétences, les capacités, mais quelqu'un est en train de vous encourager. Et parce qu'il y a même simplement une voix qui vous encourage, vous avez la force d'avancer et de tout faire pour remporter le match. Et souvent dans la vie, nous avons des combats. Et mon message aujourd'hui, c'est sur les combats. Des fois dans la vie, nous avons des combats. Des combats des fois difficiles. Lorsqu'on parle de combat, on parle de lutte. On parle d'opposition. Et dans la vie, qu'on le veuille ou non, la Bible dit, Paul l'a dit, combat le bon combat. Et Job dira même que le sort d'un homme est similaire à celui d'un soldat sur terre. Qu'on le veuille ou non, nous allons avoir des combats. Il dira même, Paul, combat le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai combattu le combat. Donc on comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous allons avoir des oppositions et des batailles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons avoir des oppositions et des batailles. Qu'on le veuille ou non, on les aura. Mais maintenant, il y a des batailles dans lesquelles nous pouvons entendre des supporters crier. Il y a des batailles dans lesquelles nous pouvons trouver la force parce que nous entendons quelqu'un nous encourager. Nous dire, oh, c'est vrai, tu vis ces situations compliquées, mais je suis là, tu pourras y arriver. Je suis avec toi et nous pouvons partager ce fardeau ensemble. Je sens qu'il y a des supporters derrière moi. Et parce qu'il y a des supporters derrière moi, même si je veux baisser les bras, parce qu'ils sont là, je vais courir et tout faire pour remporter le match. Et dans la vie, c'est pareil. Vous pouvez vivre des choses compliquées. Mais si simplement une personne peut être là et vous dire, accroche-toi, ça va aller. Vous pouvez trouver l'énergie pour pouvoir avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça, ce sont des bons combats. Et souvent, nous ne sommes pas conscients que lorsque nous sommes dans la difficulté, parce qu'il y a une personne, nous pouvons serrer les dents et avancer. Il y a des combats comme ça. On peut poser le sujet à l'église. Voilà, pasteur, nous devons prier pour la famille. Et toute l'église prie. L'église connaît ton combat et prie. Les intercesseurs connaissent ton combat et prient. Et peuvent même te demander de temps en temps, tu en es où dans cette situation? On se sent réconforté, n'est-ce pas? On se sent encouragé. Alléluia. Lorsque David a affronté Goliath, c'est vrai qu'il avait expérimenté avec Dieu lorsqu'il était berger. Mais lorsqu'il a affronté Goliath, il n'était pas tout seul. Lorsqu'il a commencé à dire qu'il allait anéantir Goliath, l'armée d'Israël commençait à être content. Ils étaient en train de répéter ses paroles. Voilà ce qu'il a dit. Vous savez, lorsque les gens vous encouragent dans des combats, vous êtes fortifiés. Il y a des fois des choses que vous faites, pas parce que vous êtes fort, mais parce que les gens sont autour de vous. Des fois on peut manquer de courage, mais lorsqu'on a un environnement avec nous, on serre les dents et on avance. Et je crois que David, même s'il avait eu la foi en Dieu, parce que l'armée d'Israël était aussi étonnée par rapport à son langage, ça a dû produire quelque chose en lui. Ils étaient contents, et parce qu'ils étaient contents, David va dire, oui, il faut aussi que je puisse combattre. Alléluia. Et Saül, même lui qui ne voulait pas combattre, il va même proposer ses armes à David. Il dit, mais vas-y, prends mon casque, prends mon armure et vas-y. Oui, il y a des combats où les gens peuvent nous donner même des clés. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a d'autres combats. Et c'est le combat-là que je veux parler. Nos combats secrets. Dis à ton voisin, nos combats secrets. Nos combats secrets dans la famille, nos combats secrets dans la vie, il y a des combats secrets. Et les combats secrets sont des combats difficiles parce que nous affrontons les Goliaths,
Nous affrontons les Goliaths, mais il n'y a personne autour de nous. Nous affrontons les Goliaths, mais personne n'est là pour nous encourager, même pour nous demander où on en est face à cette situation, parce qu'il est difficile pour nous de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais rentrer dans le secret de chacun et faire tomber certains masques. Il y a des combats secrets, ce sont des combats silencieux, ce sont des combats où des fois on ne peut pas présenter, parler de notre situation aux gens. On est comme seul face à Goliath. Ce sont des combats difficiles. On est seul, il n'y a pas de supporters, il n'y a personne pour nous encourager, il n'y a personne dans les tribunes, il n'y a personne pour dire comment tu vas, il n'y a personne pour dire serre les dents, il n'y a personne pour dire prends courage, il n'y a personne pour dire ça va aller. Les combats secrets, ce sont les combats invisibles, mais ce sont les combats qui ont le plus d'impact dans nos vies. Ce sont les combats qui déterminent davantage là où nous pouvons aller, la trajectoire de nos vies. Ce sont les combats secrets, là où il n'y a personne, là où il n'y a aucun regard, là où tu luttes seul, sans personne. 2 Rois 4, verset 8, nous parle de cette femme. Elle avait un combat secret. Le premier combat secret, elle ne connaissait pas, mais elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Le deuxième combat secret, son enfant est mort. Et lorsqu'elle va, elle dit, elle décide d'aller voir le prophète. Son mari la voit et lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, femme? Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu vas voir le prophète? Elle lui dit, non, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, non, il n'y a rien. Or, en réalité, il y avait quelque chose, mais elle est en train de combattre dans le secret, seule, sans son mari, sans ses serviteurs, sans les gens qui étaient autour d'elle. Elle était seule. Seule face à son combat, seule face à la mort de son enfant. Elle n'avait peut-être pas pendant longtemps profité de lui, mais son enfant était mort. Elle ne va rien dire à son mari. Il y a des combats qui sont secrets. On ne peut pas en parler. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas en parler. Et il y a plusieurs combats dans nos vies secrets, d'une manière individuelle, mais aussi dans nos familles, dans nos foyers. Nous vivons des combats secrets. Et des fois, on ne peut pas parler de ces combats. Il n'y a personne là pour nous aider, pour nous encourager. Et vous savez, dans les combats secrets, des fois, on va vers Dieu. Et cette femme-là veut aller vers Dieu, mais des fois, c'est Dieu qui vient vers nous. Jean 4, cette femme samaritaine, elle avait un combat secret. Voilà pourquoi elle allait puiser de l'eau là où il n'y avait personne. Alors il n'y avait personne, elle avait un combat secret. C'est elle, c'est Dieu qui est venu vers elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'aimerais dire, c'est la parole prophétique qui vient vers vous ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qui vient vers vous ce matin. Il attendait au puits. Il attendait au puits. Il savait qu'il y avait une femme qui avait un combat secret. Il savait qu'il y avait une femme qui venait tout le temps devant ce puits parce qu'elle ne voulait pas être visible à cause de sa vie, à cause de sa destinée, ce qu'elle avait expérimenté. Il s'est assis simplement au puits et il attendait cette femme-là. Il est venu vers elle parce qu'il savait qu'il avait un combat secret. Et quand il parle avec cette femme, on comprend qu'elle n'est pas heureuse en réalité. Voilà pourquoi elle veut pas être en contact avec les autres. Par contre, lorsque Jésus-Christ l'a vue, elle est partie vers les autres parce qu'il lui a permis de sortir de son combat secret. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a des batailles secrètes. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions aborder certaines batailles. Parce que notre Dieu est avec nous et il nous connaît, il nous aime. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce matin, Dieu veut nous faire du bien. Ce matin, Dieu veut nous rendre libres. Dieu veut toucher certains domaines dans nos vies. La Bible nous dit ceci dans Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, verset 36. C'est un texte qui m'a souvent affecté. C'est un texte qui m'a souvent amené à la réflexion. C'est Jésus qui est là, il est avec ses disciples et c'est un moment pas évident de son ministère. Ils sont tous ensemble. La Bible dit qu'il va prendre certains de ses disciples, il va les mettre à un endroit et il va en prendre que 3 avec lui. Il va prendre Jean, Jacques avec lui et Pierre, il le prend et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, Jésus. Que quelqu'un dit Jésus. C'était Jésus.
Jésus qui parlait, c'était celui qui avait guéri les malades, c'était celui qui avait fortifié les gens, c'était celui qui avait encouragé, c'est celui qui était marché, qui avait marché sur l'eau, c'est lui qui avait fait la multiplication des pains, c'était Jésus. Ce n'était pas n'importe qui, c'était la parole faite chair. C'est celui qui répandait l'amour, c'est celui qui chassait les démons, c'est celui-là qui manifestait la puissance de Dieu, c'est celui qui amenait les gens de la mort à la vie. Ce n'était pas n'importe qui. Et cet homme-là va dire à ces trois personnes, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il ne dit pas aux 10 premiers, mais il prend 3 avec lui. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il leur dit ça, mais c'est pas tout. Après leur avoir dit ça, la Bible dit, il part et il se jette au sol. Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Jésus qui se jette au sol. Et dit, Père, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais que tu puisses imaginer la difficulté qu'il avait. Il avait un combat qui était là. Le problème avec le combat de Jésus, c'est qu'il ne pouvait pas le partager avec tout le monde. Voilà pourquoi il en prend 10, il les met là. Il prend 3 et il leur dit quelques informations. Mais il part plus loin et il amène. Il parle à son père et il lui donne une autre information. Il ne pouvait pas partager son fardeau avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais parler des batailles secrètes de Gethsémané. Les batailles secrètes de Gethsémané sont les batailles des leaders. Sont les batailles des serviteurs, des mères, des pères, des personnes qui ont une position d'influence. Si tu n'es pas encore un leader, comprends que tu vivras ces batailles. Si tu es un leader, comprends peut-être que tu es en train de vivre ces différentes batailles. Mais il y a des batailles de leaders. Ce sont des batailles où des fois vous êtes en train de vivre certaines oppressions, des choses compliquées, des choses difficiles. Mais vous pouvez en parler à personne. Vous ne pouvez pas en parler aux gens. C'est votre bataille à cause de votre position. Les batailles secrètes. Jésus, comment pouvait-il parler à ces 10 autres personnes? S'il aurait parlé à ces 10 autres personnes, il aurait touché leur foi. Parce que lorsqu'on est leader, on a une position. Lorsqu'on est leader, on est une boussole. On est un repère pour les gens. Alors on doit serrer les dents lorsque les choses sont compliquées. Les batailles secrètes. Je n'ai aucun supporter. Mais je vis des choses compliquées à l'intérieur de moi. Ma vie, elle est compliquée. Mais je ne peux pas aborder ce sujet avec tout le monde. Parce que si j'aborde ce sujet avec tout le monde, j'ai peur que leur regard, mon regard change. Parce que vous pouvez voir le regard d'une personne lorsqu'une personne connaît vos défaillances ou vos difficultés. Ils ne réagissent plus de la même manière. Et en tant que leader, il est impossible pour moi d'exposer ces choses-là. Je dois gérer ces choses dans le secret. Les batailles secrètes de Gethsémané. Les batailles secrètes de Gethsémané. Les batailles d'un père, les batailles d'une mère. Impossible d'en parler, impossible de communiquer, impossible de le dire. Si je le dis, quel regard les gens auront de moi? Si je m'expose, comment les gens vont fonctionner? Je ne peux pas. Lorsque Jésus-Christ est mort, ils se sont tous dispersés parce qu'ils n'avaient pas une vision claire de la croix. Ils avaient vu que, en fait, pour eux, c'est une faiblesse. Ils n'avaient pas compris ce qui est en train de se passer. Alors, ils sont partis. Lorsqu'on est leader, on a des privilèges. Mais on a des défis dont personne ne peut comprendre. L'apôtre Douglas et son épouse, ils ont des défis. Il ne faut pas rêver, ils ont des défis. Vous-même, dans vos responsabilités en tant que leader, vous avez des défis. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses dans lesquelles on est dans le secret. On essaie de gérer ça dans le secret. On ne peut pas apporter aux gens. Parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent voir les choses. Comment les gens vont nous regarder. On ne peut pas, on est obligé. On est obligé de le gérer dans le secret. On ne peut pas toucher la vie des gens. On veut que les gens continuent à marcher dans la foi. Alors on doit tenir ferme. On doit tenir ferme. Dis à quelqu'un, tiens ferme. Si tu es un leader, tu dois tenir ferme. Tu dois serrer les dents. J'imagine Abraham, père d'une multitude. On lui dit,
donne ton fils Isaac. Pendant qu'il va sur la montagne pour sacrifier son fils, parce que c'est une orientation de Dieu, j'imagine son cœur. Son fils, le fils de sa promesse, il monte avec son père. Son Isaac commence à dire, mais où vas-tu, papa? Il dit, je vais adorer. Il n'allait pas adorer. C'est une adoration, mais il y avait un sacrifice qui était là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et les serviteurs qui étaient avec lui, qui n'ont pas pu monter à la montagne, ne savaient pas où il allait. Il ne pouvait pas apporter ces choses. Parce que les gens n'étaient pas capables de recevoir. Les gens n'étaient pas capables de comprendre. Alors il serre les dents, il avance. Le mari de cette femme peut-être n'était pas capable d'entendre que son fils était mort. Et des fois en tant que leader, nous devons serrer les dents parce que les choses ne sont pas évidentes. Mais si nous sommes leaders, nous devons comprendre que c'est les réalités de nos vies. Nous marchons dans la foi, nous serrons les dents, mais nous avons des défis. Nous avons des défis que personne ne connaît, des défis qui se passent dans le secret, dans l'intimité. Nous avons des défis et nous ne pouvons pas présenter ces défis à tout le monde. Jésus à Gethsémané est l'exemple par excellence. Il vient, il crie, il pleure. Si Jésus peut le faire, et moi. Alléluia. Je n'ai jamais marché sur l'eau. Si Jésus peut le faire, si Jésus peut le vivre, et moi. Le leader et son secret, les leaders et ses batailles, ses luttes. Lorsqu'on gère une église, ou même lorsqu'on est dans un foyer, on est leader, je vous assure, des fois, vous pouvez sentir une oppression. Parce que si vous tombez, ce sont des nations qui tombent. Si vous fléchissez les genoux, ce sont des nations qui fléchissent les genoux avec vous. Donc vous devez serrer les dents. Et c'est ce que Christ a fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que Jésus a dit, Père, je sens une pression, je suis pris jusqu'à la mort. Mais pas ma volonté, ta volonté. Il a serré les dents. Alors que les moments qui étaient en train d'expérimenter étaient très compliqués, étaient difficiles. Les batailles secrètes de Gethsémané sont les batailles des leaders. On ne veut pas exploser les gens, mais nous avons des batailles. Nous devons tenir ferme. Nous devons avoir le regard focalisé sur Dieu et nous attendre à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'aimerais dire à une personne, certainement tu es dans cette situation. Lorsque tu vis une situation comme ça, parce que des fois vous voulez parler même à deux leaders, mais vous avez peur de leur regard. Vous avez peur de comment ils peuvent fonctionner. Alors on est en train de tâter le terrain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très difficile ça. Beaucoup pour les femmes, encore plus pour les femmes de pasteurs. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ils sont en train de lutter dans le secret avec leur bataille. Alléluia. On ne sait pas si on peut parler, on ne sait pas si on peut communiquer, on ne sait pas si on peut dire. On tâte le terrain, même si des fois les gens ont un gros sourire. On voudrait bien exposer notre cœur. Mais après, il y a des gens qui l'ont fait. Et ils ont vu comment les personnes ont fonctionné après. Ils se sont servis de ça pour leur faire mal. Vous savez, dans un couple, souvent, lorsque la femme a des difficultés, l'homme peut l'encourager. Lorsqu'une femme peut pleurer, entre guillemets, de temps en temps, elle peut parler à certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me suit? Même à voir avec un peu de peur. Mais lorsqu'un homme fonctionne comme ça, lorsqu'un homme est dans cette situation, qu'est-ce que l'homme peut faire? Vous le voyez aller pleurer chez son ami? Son mari va lui dire, mais son ami va dire, mais toi, tu es un homme, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, pourquoi tu pleures? Or, nous avons des difficultés aussi. Mais si on commence à verser nos larmes devant les gens, devant les hommes, surtout nous en tant qu'hommes, on va dire, mais tu es un homme, arrête de pleurer. Et si on s'expose trop à nos femmes, on a peur que lorsqu'on va donner des orientations, leur regard puisse changer.
On a peur que notre position maintenant de leader soit touchée. Donc on gère les choses dans le secret. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? L'une des clés lorsqu'on vit ces situations compliquées, bien aimé, il faut faire confiance à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je voudrais encourager quelqu'un qui est dans cette bataille secrète, ce leader qui est en train de vivre des oppositions, des luttes, alors que personne ne sait, alors qu'il ne peut pas présenter cette situation. Jésus, la Bible dit, il a adoré, il a fait confiance à Dieu, alors que les choses étaient compliquées, difficiles. Abraham, lorsqu'il est monté sur la montagne, il a fait confiance à Dieu, et arrivé en haut, Dieu a fait sortir le bélier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous êtes un leader, vous êtes avec Dieu, vous avez confiance en Dieu, croyez et soyez certain que Dieu vous sortira de cette situation. Vous devez faire confiance, vous devez serrer les dents, vous devez être dans une position d'adoration, dire Seigneur, j'ai mal, c'est difficile, je ne peux pas me confier à quelqu'un, mais je m'appuie sur toi, je sais que tu me sortiras de cette situation, je décide de te faire confiance, même si la personne à droite, à gauche, derrière, devant, je te fais confiance dans la douleur. Je crie vers toi et je sais que mon Rédempteur se lèvera. Je sais. Dans le secret de leader Gethsemane, c'est le caractère du lion qu'il faut sortir. Même si c'est dur, même si mon âme peut être affectée des sentiments de tristesse, de peur, c'est là où je dois m'accrocher au Seigneur. C'est là où je dois m'attacher à Dieu. C'est là où je dois continuer à adorer davantage le Seigneur pour que mon âme adhère à ce qu'il y a dans mon esprit et que je puisse sortir de cette situation. Dieu ne me laissera pas dans cette situation. Il ne me laissera pas dans cette situation. Même si je suis dans un combat secret, mon Dieu est puissant. Il me sortira de là. Il a sorti Abraham. Il a sorti Daniel. Il a sorti Joseph. Il a sorti ces personnes. Certains qui avaient des batailles secrètes. Personne ne savait leur lutte. Personne ne savait leurs défis. Personne ne savait leurs difficultés. Mais parce que Dieu les a appelés à une position d'influence, Dieu ne te laissera pas. Ne t'abandonnera pas. Leader, homme, femme, dans une position d'influence, quel que soit le combat secret, Dieu ne vous laissera pas. Il ne vous laissera pas au sol. Dieu est là. Dieu ne vous laissera pas au sol. Dans la situation que vous pouvez vivre, il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Tu sortiras. Je prophétise sur ta vie que tu sortiras. Et je prie que Dieu te donne de pouvoir le faire confiance. Que l'endurance soit ton partage. Que la persévérance soit ton partage. Que la patience soit ton partage. Que l'amour de Dieu te comble. Et que tu serres les dents. Dieu ne te laissera pas. J'ai dit Dieu ne te laissera pas. Il ne te laissera pas dans ton combat secret. Même si tu ne parles pas. Ton Dieu est là. Il te fortifiera. Ton Dieu t'aime. Il t'a appelé à aller quelque part. Si les bouches se taisent, si les supporters ne sont plus, il y a un supporter au ciel. 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 Il est là. Il prie. Il est là. Il est entré simplement de t'encourager comme les supporters chantent. Il croit en toi. Voilà pourquoi il t'a mis dans cette position. Il croit en toi. Quels que soient tes défis, il croit en toi. Alors même si les gens se taisent, même si tu ne peux pas partager ça, ton Dieu est là. Il sortira victorieux. Quel que soit le combat. Le combat secret. Les combats secrets. Les combats de Gethsemane. On en connaît. Nous avons des marques sur notre dos de ces combats secrets. Mais nous devons comprendre que Dieu est là. Ce combat ne peut pas te tuer. Ce combat ne peut pas détruire ta vie. Il y a des combats. Et ce combat-là, Dieu veut que tu puisses le gagner. Mais pour le gagner, tu dois être ferme.
Tu dois avoir la confiance. Pour le gagner, tu dois être dans l'adoration. S'il faut verser tes larmes devant Dieu, verse-les. Ferme la porte, verse-les. Verse-les. S'il faut crier à Dieu, crie à Dieu. La lumière germera. La lumière sortira. Le combat de Gethsemane, les combats des leaders. Je ne peux pas trop parler, mais je vis ces choses. Les gens viennent, ils me voient à l'église. Je suis là, je suis en train de prier, active, mais dans le secret, ils ne savent pas ce qui se passe. Dans mon intimité, ils ne savent pas que j'ai ces défis. Ils ne savent pas que les choses sont des fois compliquées. Ils ne savent pas, je ne peux pas en parler à tout le monde, c'est compliqué. Mais Dieu est là. Lorsque je préparais la réunion pour ici, c'est ce que Dieu m'a dit. Tu dois prêcher sur les secrets, les batailles secrètes, les sujets de prière qu'on ne peut pas donner à tout le monde, les choses qu'on ne peut pas communiquer à tout le monde. C'est ce que tu dois parler. Tu dois dire à ces leaders que je suis là. Tu dois dire à ces leaders de faire confiance. Tu dois dire à ces leaders de serrer les dents. Tu dois dire à ces leaders, même si Jésus a souffert à Gethsemane, il est sorti. Les anges l'ont fortifié. Tu dois leur dire, combat secret. Combat secret de Gethsemane, c'est les combats des leaders. Genèse 29, 15 nous parle d'une femme qui s'appelait Léa. Léa, lorsqu'elle grandit, elle vit des choses compliquées. Son nom veut dire déjà fragile, lasse, inutile, fatigue. Donc quand les gens la voient, ils déclarent constamment ces choses en elle. Et vous savez ce que vous entendez? Vous devinez ce que vous entendez? Et toute sa vie, elle vit ces choses-là. On lui dit ça, on parle ça. Et puis, la Bible nous dit ceci, qu'à un moment donné, son père va la trahir. Son père va la trahir, va jouer avec elle. Il va la donner à un homme du nom de Jacob. La Bible dit ceci, que Jacob voulait sa sœur. Jacob ne voulait pas de Léa. Ils vont faire les noces ensemble. Et le matin, lorsque Jacob va voir Léa, il va aller voir Laban pour lui dire, tu m'as trompé. Essaye d'imaginer la scène. Il se lève le matin, il voit que c'était la femme, mais pas la femme qu'il voulait. Et j'imagine Jacob en train de partir directement. J'imagine Léa qui n'avait rien demandé être dans cette situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré tout ça, elle va évoluer. La Bible dit qu'elle va avoir un premier enfant qu'elle va appeler Ruben. Et derrière chaque enfant, il y avait toujours une aspiration. Elle a eu Siméon, elle a dit encore. Derrière Siméon, il y avait aussi une signification. Dieu a entendu. Elle a eu Lévi. Et derrière ça, elle disait, mon mari s'attachera à moi. Il y a quelqu'un, mon mari s'attachera à moi. Donc elle sentait à l'intérieur d'elle que son mari n'était pas attaché à elle. Le deuxième combat, c'est le combat de la souffrance. Les souffrances cachées. Dis à ton voisin, les souffrances cachées. Les souffrances cachées. Les douleurs à l'intérieur. Ce qui est très intéressant avec la Bible, c'est que Dieu apporte de la clarté aux choses qu'on ne pouvait pas savoir. Comment savoir que chacun de ses enfants avait une signification, et la plupart des significations de ses enfants est orientée vers son mari, de l'absence d'amour qu'elle avait. Les souffrances cachées. Il y a des souffrances comme ça qu'on ne veut pas exposer à tout le monde, mais qu'on ressent à l'intérieur. Et c'est ce que Léa avait à l'intérieur d'elle. Elle sentait ça à l'intérieur d'elle. Mais comment parler de cette souffrance? Il y a plusieurs types de souffrances. Là, je prends cette situation. Parce que cette situation a duré pendant longtemps. Elle a donné énormément, énormément, énormément de temps. Et certainement, tu souffres à l'intérieur de toi de certaines choses que tu ne parles à personne.
Les souffrances secrètes ne sont pas simplement les souffrances pour les leaders, c'est les souffrances pour tout le monde. Cette souffrance, elle est à l'intérieur, ce mal, cette douleur. Mais tu n'en as jamais parlé. C'est cette expérience peut-être que tu as vécue dans le secret, tu as été violé, tu ne dis rien à personne et tu transportes ce sentiment depuis longtemps à l'intérieur de toi. Tu évolues avec ça, ça te pénalise. C'est la chose que tu as fait, que tu regrettes, mais que tu continues à transporter à l'intérieur de toi. C'est cette souffrance qui est secret, que tu ne veux pas présenter aux gens. La Bible va nous dire que, à un moment donné, Léa était fatiguée. Pendant des années, lorsque les choses sont compliquées, vous voulez baisser les bras, vous voulez arrêter. Mais la Bible dit qu'elle a eu un quatrième fils. Dis à ton voisin, un quatrième fils. Il y a quelqu'un, un quatrième fils. Je suis venu parler à tous ceux qui souffrent dans le secret. Je suis venu parler à tous ceux qui sont dans une souffrance secrète. Cette souffrance dont personne ne connaît. La Bible dit qu'elle a eu un quatrième fils. Et ce quatrième fils s'appelait Judas. Je voulais présenter ce quatrième fils qui s'appelle Judas. Parce que derrière Judas, il y a plusieurs grâces qui ont été communiquées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Léa n'est pas constamment restée dans la souffrance. Elle a eu Judas. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je ne louerai plus ma souffrance. Mon regard ne sera pas focalisé sur ma souffrance, sur ce qu'on m'a fait. Mais mon regard sera porté sur mon Dieu. Je ne vais plus regarder ça, mais je vais regarder Dieu. Et pendant que je regarde Dieu, il y descend. Alléluia. Oh bien-aimé, la fin de Léa était différente au début. La Bible dit qu'elle va avoir Judas et de Judas, David va sortir. De David, Jésus-Christ va sortir. Elle a eu Lévi et de Lévi, Moïse va sortir. Des prophètes vont sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celle qui était rejetée a été acceptée. Celle qu'on a mis de côté a été acceptée. Alors que Léa est morte et enterrée dans un sol du nom d'Éphrate, la Bible dit qu'elle, Léa est morte dans le tombeau de Jacob. Avant que Jacob meure, Jacob dira ceci, vous allez m'enterrer là où Abraham et Sarah sont enterrés, là où Isaac et Rebecca sont enterrés, là où Léa est enterrée. Léa est enterrée avec Jacob par Rachel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Léa est enterrée avec Jacob. Jacob l'avait repoussée. Mais dans le tombeau, ils vont rester dans l'éternité ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celle qui était délaissée, celle qui était mise de côté. Mais bizarrement, c'est elle dont Dieu a utilisé d'une manière surnaturelle. Dont Dieu a distingué. Dont ses enfants ont été distingués. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'elle a trouvé la louange, elle a trouvé la distinction. Lorsqu'elle a mis son focus sur autre chose, elle a trouvé la distinction. Léa est morte. Elle est enterrée. Avec Jacob. Avec Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Les souffrances secrètes. Les souffrances secrètes, c'est des choses que tu ne peux pas, tu ne veux pas dire. Ce qui se passe. Tu souffres peut-être dans ta maison. Les gens ne savent pas. Peut-être que ton mari te frappe. Tu souffres dans le secret. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Parce que dire ces choses-là, ça va conduire à vous exposer, mais tu souffres dans le secret. Ton regard maintenant doit se tourner vers Dieu. Je veux déposer la foi dans ta situation. Il y a des choses que tu ne peux pas aborder. Si les gens savaient, qu'est-ce qu'ils diraient? Si les gens connaissaient la source, qu'est-ce qu'ils diraient? Elle souffrait dans le secret. Elle pleurait dans le secret. Elle avait mal dans le secret. Elle avait des douleurs dans le secret. Mais Dieu, Dieu la voyait. Et lorsqu'elle a décidé de tourner son regard vers le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que sa descendance a été bénie.
des choses qu'on ne peut pas dire. C'est compliqué. Mais lorsqu'on est dans cette souffrance, on doit rejeter cette souffrance. On doit décider de ne plus souffrir. J'ai parlé de ce qu'on peut vivre dans un foyer. Mais il y a des choses qu'on peut vivre aussi d'une manière seule. On doit prier. Vivre dans le secret. Alléluia. Pasteur, j'ai jusque combien de temps? Parce que je sais qu'il y a deux cultes. Sinon, je reprends après. Amen. Alléluia. Ok. Je vais clôturer. On va prier. Et je vais continuer après. Comme ça, on va rester dans les temps. Amen. Et on va se lever. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous allons faire quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde sera là, mais nous allons faire quelque chose. Je ne sais pas si tu as un papier.